Alors, quand on évoque les emprunts, en fait, on doit tout de suite dire que c'est un principe clé de la langue depuis toujours. Depuis toujours, on emprunte à la langue dominante économiquement, ou dominante en civilisation, ou qu'on vient de dominer militairement, et à ce moment-là, la langue arabe est typique de ça, puisque on va emprunter d'abord des mots très savants, jusqu'à algorithme, et toute une série d'algèbres, etc., chimie, et puis ensuite, au moment des guerres de colonisation, ça sera le bled, ça sera la club, ça sera d'autres mots. Donc, on emprunte de toute façon à une autre langue, donc ça c'est inéluctable, on ne peut pas en vouloir en français d'emprunter à l'anglais. Mais peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a différents types d'emprunts. Il y a, si vous voulez, dans le fond, l'emprunt qui se fait par traduction, le gratte-ciel, par rapport à skyscraper, on a la lune de miel, honeymoon, on se rend compte très vite que ça passe très vite, et que plus personne ne sait qu'il y a la lune de miel et que c'est un emprunt à l'anglais, donc ça pour moi ce sont pas des emprunts très difficiles. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a des langues aussi qui sont plus réceptives que d'autres à l'emprunt. La langue française a besoin pour l'emprunt parfois d'une préposition. On est bon, mais on a besoin de lune de miel. On a trois mots quand il n'y en a qu'un. Hein, donc il faut l'accepter, il ne faut pas en faire une critique, il faut se dire évidemment que ça a ses conséquences, il faut avoir une idée, pour l'informatique notamment, des séquences figées. Et dans le fond, ce qu'on pourrait, peut-être ça c'est une première remarque, des langues plus réceptives que d'autres. On a bien conscience que court a donné courtois, puis en allemand a donné fisch, on a emprunté à la langue française, on a fait des calques aussi, on l'a oublié quand on était puissant. Donc relever d'une langue dont on soit fier et qui puisse être suffisamment forte, c'est quelque chose d'important. Une autre remarque, c'est qu'évidemment, il faut ici évoquer le Québec. Qui est confronté donc à l'anglais, qui se sent menacé et qui par conséquent monte au front tout de suite. En vérité, les commissions terminologiques que nous avons, et je participe à l'une d'entre elles, on a ici de grands terminologues, nous avons Daniel Candel au bout de la salle, et bien sûr vous êtes aussi au front de manière magnifique, ben, vous travaillez mais on l'ignore. Une grande partie de la France ne sait pas que l'Académie travaille, que les commissions de terminologie proposent des choses, que si on dit aujourd'hui un chariot, si on dit aujourd'hui monter au filet, tir au but, etc., c'est le travail des commissions de terminologie. Donc si vous voulez, il y a une grande publicité à faire aussi, et j'essaie de le faire quand je fais une émission de radio, c'est pas toujours facile, et parfois il faut lutter, parce qu'on a un léger ricanement sur l'Académie, puis dès que vous donnez des exemples, ah, on change d'avis. Donc à nous aussi, évidemment, et c'est ce que fait très bien, parce que vous faites ici très bien, défense de la langue française, notamment l'Académie aussi, monte au créneau, et doit continuer ce travail.